Avec 7 points pris sur les 3 dernières journées, Lens est revenu dans le coup pour prétendre à une place européenne. Les Sang-et-Or reçoivent une formation brestoise 12e qui n'a remporté que 2 de ses 9 derniers matchs. Objectif pour les Lensois, enchaîner après leur victoire à Angers. Objectif pour les Brestois, réagir après leur dernière défaite à domicile face à Lorient. C'est le 300e match de Michel Derzakarian sur un banc de Ligue 1 Uber Eats. 131 matchs avec Nantes, 142 avec Montpellier et le 26e avec le Stade Brestois. Première opportunité pour les Sang-et-Or avec Marco Bizot qui se couche rapidement. Le gardien néerlandais se relève pour capter ce ballon. Tentative intéressante d'Arnaud Kalimuendo qui se retourne et qui frappe en pivot. C'est assez puissant mais pas suffisamment placé. Sotoka qui centre et alerte Arnaud Kalimuendo. Le danger se rapproche au fil des minutes pour les Lensois avec cette frappe dans un angle fermé de Gaël Kakuta. Ça vient chauffer une nouvelle fois les gants de Marco Bizot. 0-0, c'est le score à la pause. Une première mi-temps dominée par les Nordistes. 60% de possession, 11 tirs et 3 cadrés. La formation de Franck Hez n'a perdu qu'un seul de ses 9 derniers matchs à domicile. La pression s'intensifie. Le coup franc de Klaus sorti par Marco Bizot. Au match aller, Brest s'était imposé 4-0 face aux Lensois qui n'avaient pas vu le jour. Là, cette fois-ci, ce sont les Sang-et-Or qui sont ultra dominateurs mais ne parviennent pas à matérialiser toute leur situation à l'image de cette reprise à bout portant de Florian Sotoka qui trouve un excellent Marco Bizot. Encore une fois, Francaise ne peut pas reprocher grand-chose à ces hommes si ce n'est ce manque de réalisme. Le réalisme, il va être dans les rangs brestois avec ce rush, ce slalom de Franck Honora qui vient ajuster Jean-Louis Lec avec ce subtil ballon piqué. 59e minute, ça fait 1-0 pour les Brestois qui matérialise par un but leur toute première véritable occasion du match. 9e but de la saison pour Franck Honora. C'est un de plus que son total de l'exercice précédent. Plus rien ne sera marqué. 1-0 pour Brest qui, comme à l'aller, s'impose face à Lens. Les Brestois 12e prennent 11 points d'avance sur la zone rouge. Les Sang-et-Or sont en milieu de tableau à 6 unités de l'Europe.